Elle ressemble à quoi cette année là-bas, vraiment ton rythme et l'apprentissage américain par rapport à la méthodologie française, ça ressemble à quoi? Alors, je suis resté 3 ans là-bas. Je suis resté 3 ans, mais c'était un petit peu à l'américaine, hein, comme qu'on a pu le voir dans les reportages à l'époque. Il y a eu des reportages sur l'académie. Moi, le matin, par exemple, une journée vraiment type, je me levais à 5h30 le matin. On prenait vite un petit déj. À 6h, on était sur le cours. 6h du mat, et on s'entraînait de 6h à 8h. Et ensuite, on allait à l'école de 8h à 13h. Et ensuite, à 13h, on revenait et on faisait ensuite de 14 à 16 tennis, et de 16 à 17h30, 18, on faisait du physique. Le matin, c'était plus axé vraiment panier à l'américaine, où il y avait un entraîneur qui était en face. Alors, le matin, j'avais la chance de m'entraîner souvent avec Nick. Alors, il était en face, et on va retourner, hein, on faisait du panier, hein, c'était vraiment vraiment de la répétition. Et l'après-midi, c'était beaucoup plus axé sur tactique et des points. On faisait beaucoup de points entre nous. Donc là, mais c'est vrai que c'était basé beaucoup sur la répétition et sur l'aspect mental. On n'avait pas le temps de se plaindre. Effectivement, c'était soit on y va, ou soit tu restes sur le côté, tu restes dans ta chambre. Mais c'était voilà, on y allait, quoi. On y allait. Te convenait bien, t'étais à l'aise. Ouais, la méthodologie me convenait bien, parce que en fait, pour moi à l'époque, pour réussir, il fallait que ça passe par là. Il fallait que ça passe par le fait que ça soit difficile, que ça nous sorte de notre zone de confort. Et en fait, j'avais aucun doute. Je faisais entièrement confiance à Nick à l'époque, parce que par rapport au palmarès qu'il a pu avoir avec des joueurs qu'il a pu sortir, comment dire, à l'état d'esprit qu'il pouvait avoir, m'allait entièrement. T'as un souvenir particulier avec lui, un truc que vous avez partagé assez sympa, recul? Non, j'ai pas mal de souvenirs avec lui. Même à un moment donné, au début, il voulait que je vienne habiter chez lui. Donc ça me plaisait un petit peu moins, parce que c'est ce qu'il avait fait avec d'anciens joueurs, hein. Il avait fait Tomias, ça avait habité chez lui. Ensuite, il y avait un Coréen aussi qui avait habité chez lui. Et je voulais pas trop, et finalement, j'étais resté habiter à l'académie. Mais sinon, avec Nick, qu'est-ce que je peux raconter comme petite anecdote? Oui, en fait, si on se comportait mal sur le cours, quand on était avec lui le matin, la punition, en fait, c'était de venir le samedi matin. Il donnait des cours particuliers à des gens, soit des adultes, soit des enfants, sur son cours. Donc, il avait son cours qui lui était approprié. Et si on se comportait mal, on devait venir sur ce cours-là pendant qu'il donnait ses cours particuliers, pendant toute la matinée, de 8h à midi, et on devait ramasser les balles. Et effectivement, ça m'est arrivé une fois ou deux d'arriver sur le cours, hein, de 8h à midi, et de ramasser ses balles, parce que je m'étais mal comporté, hein, pendant la semaine. Et t'étais pote avec Xavier Malisse à cette Ouais, époque-là? j'étais pote avec Xavier Malisse. À l'époque, on était beaucoup aussi avec Federico Luzzi, qui malheureusement nous a quittés il y a plusieurs années. Donc voilà, on était souvent tous les trois, parce que dans l'académie là-bas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs groupes. Donc nous, on était un peu dans le groupe, ce qu'ils appellent le groupe un peu élite. On était un peu la vitrine de l'académie, donc on s'entraînait toujours ensemble. Il y avait Daniela Andchoukova aussi qui était là. Donc on s'entraînait un petit peu tous ensemble. Donc on passait pas mal de temps. Ça a créé des liens particuliers après pendant votre carrière ou derrière chacun fait un peu sa vie? Hein. J'ai envie de dire, chacun fait un peu sa vie, oui, par la force des choses, parce qu'une fois qu'on part sur le circuit, on ne fait pas forcément le même tournoi, et quand on est sur le tournoi, il y a toujours ce côté un petit peu égoïste qui ressort, parce que on est concentré sur ce qu'on fait. Bien évidemment, quand on pouvait, on passait un petit peu de temps ensemble. Quand on était à l'académie, je me souviens que souvent, quand Xavier a commencé à avoir son appartement, j'allais souvent chez lui. On pouvait jouer au golf le week-end ensemble, avec Federico Luzzi, la même chose. Donc on avait créé aussi des liens avec d'autres étudiants, avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs aujourd'hui, avec un ou deux. Avec qui on se voit encore de temps à autre, qui sont aussi qui ont joué là-bas, pas à notre niveau, mais qui sont forcément passionnés de tennis. Mais en tout cas, je garde énormément de bons souvenirs de mon passage là-bas, c'est clair. Et du coup, tu arrives aux US, comment ça se passe au niveau de l'anglais?
La vérité, tu veux? Voilà. C'était la cata. Mais c'était la cata parce que moi je suis strasbourgeois, donc bien évidemment, avant d'aller en sport études à Reims, je faisais allemand première langue. Quand j'arrive à l'INSEP, plutôt, donc je suis au collège, allemand première langue, personne ne savait ce que c'était. Donc j'ai dû déjà faire les classes avec les anglais première langue, donc je captais rien. Donc pendant un an, j'ai rien appris parce que j'étais pas du tout au niveau. Donc j'arrive aux US et ben je parlais pas un mot, quoi. Je parlais pas un mot, donc c'était un peu la cata. Au début, par facilité, j'essayais de me rapprocher des francophones. Donc il y avait pas mal de Belges, pas mal de Luxembourgeois aussi qui parlaient français. Il y avait un ou deux entraîneurs marocains aussi. Donc j'ai mis un petit peu de temps. Et au bout d'un moment, par la force des choses, ben, en regardant la télé, en allant au cinéma, en écoutant de la musique, ben, il faut se débrouiller. Donc petit à petit, c'est venu. J'allais aussi à l'école là-bas et ce qui m'a fait un petit peu mal au départ, c'est que j'allais en cours. Donc je faisais les maths, tout ça, et j'essayais de me débrouiller. Mais pour apprendre l'anglais, j'allais en cours avec des petits qui avaient 10-11 ans qui apprenaient l'anglais. Donc à côté de moi, j'avais des petits gamins. Donc je me suis dit, putain, il faut quand même que je m'y mette. Et donc petit à petit, je m'y suis mis. Et mais c'était c'était sympa quand même. C'est vrai. C'est marrant parce que je crois que j'ai jamais vu ou écouté d'interview de toi en anglais. Tu déroules vraiment parfaitement aujourd'hui ou non. Bah, tu veux la faire en anglais l'interview là? tu m'as l'air gêné, je sais pas pourquoi. Hein? Non, j'ai fait 2 ans d'études aux US et Ah bon, bah, t'es mieux que moi alors. Non, honnêtement ça va. Mais après, bien évidemment. J'ai le vocabulaire tennistique parce que là quand je parlais c'était beaucoup beaucoup tennis, mais après bien évidemment j'étais là-bas seul, je me débrouillais. Si je devais appeler quelqu'un pour avoir commandé une pizza, pour commander des voitures, réserver des avions, ben c'est moi qui le faisais. Donc par la force des choses on apprend, mais on oublie vite aussi le vocabulaire. Donc il faudrait que je m'y remette parce que effectivement c'est un petit peu dommage parce que j'avais des acquis qui étaient assez intéressants qui sont un peu partis. Donc voilà.